Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous nous retrouvons en direct depuis la basilique Saint-Jean de Latran pour la messe célébrée par le pape François en l'honneur de l'ordre des Dominicains. Une messe de clôture du 800e anniversaire de l'ordre des prêcheurs fondé par saint Dominique en 1215, reconnu par le pape Honorius III en 1216. D'entrée et la procession, mon Dieu, ma miséricorde. C'est à présent le chant de l'antienne tiré de l'ecclésiastique In Medio Ecclesiae. Au milieu de l'assemblée, il lui a ouvert la bouche et le Seigneur l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra fax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Preghiamo. Dieu, toi qui as fait briller ton Église avec les œuvres et la prédication de Saint Dominique, donne aux hommes le nécessaire pour vivre, mais surtout l'abondance des biens spirituels. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons à présent dans la liturgie de la parole de cette messe du propre des dominicains, naturellement. La première parole est tirée de la deuxième épître de Saint Paul à Timothée. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, très cher, ti scongiuro davanti a Dio, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Le psaume responsorial, le psaume 95, « Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Avec l'antienne, annoncez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Les merveilles del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dati al Signore, o famiglie dei popoli, dati al Signore gloria e potenza. Dati al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra le genti, il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. L'acclamation de l'Évangile. Ô bon Père Dominique, vous souvenant de votre œuvre,
tenez-vous devant le juge suprême en faveur du troupeau de vos pauvres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matthäum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors. Et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Verbum Domini. Présent l'homélie du Saint-Père en cette basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale du Pape.
À l'occasion donc de cette messe qu'il préside pour la clôture du bicentième anniversaire de l'Ordre des Prêcheurs. La parole de Dieu nous présente aujourd'hui deux scénarios humains opposés. D'un côté, le carnaval, la curiosité mondaine, de l'autre, la glorification du Père grâce aux bonnes œuvres. Et notre vie évolue toujours entre ces deux scénarios. En effet, ils sont de toutes les époques, comme cela est démontré par les paroles de saint Paul adressées à Timothée. Et saint Dominique aussi, avec ses premiers frères, il y a 800 ans, évoluer, avancer entre ces deux scénarios. Paul dit à Timothée qu'il devra annoncer l'Évangile au milieu d'un contexte où les gens chercheront toujours des nouveaux maîtres, des fables, des doctrines différentes, des idéologies. Purientes Auribus, c'est le carnaval de la curiosité mondaine, de la séduction. Pour cela, l'apôtre instruit son disciple en utilisant aussi des verbes forts comme insiste, ammonisce, rimprovera, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, sois vigilant, supporte la souffrance. C'est intéressant de voir comme déjà à l'époque, il y a 800 ans, les apôtres de l'Évangile étaient confrontés à un scénario qui, de nos jours, s'est beaucoup développé et globalisé à cause de la séduction du relativisme subjectiviste. La tendance qui va vers la recherche de nouveautés qui est propre de l'être humain trouve le milieu idéal dans la société du paraître, la société de consommation où souvent on recycle des vieilles choses. Mais l'important, c'est de le faire paraître comme nouvelle, attrayante, séduisante. Même la vérité est truqué, maquillé. Nous évoluons dans ce qu'on appelle la société liquide, une société qui n'a point de point bien fixé. Une société est comme qui trébuche, une société qui n'a pas de point fixe. C'est la culture de l'éphémère, de la culture de j'utilise et je jette. Face à ce carnaval, mondain, se détache un scénario opposé que nous trouvons dans les paroles de Jésus que nous venons d'écouter. Rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. Et comme advient ce passage de la superficialité à la glorification, cela devient grâce aux bonnes œuvres de ceux qui, en devenant les disciples de Jésus, sont devenus le sel et lumière. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Au milieu du carnaval de hier et d'aujourd'hui, voilà la réponse de Jésus et de l'Église. Voilà cet appui solide au milieu d'un environnement liquide, les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir, faire grâce au Christ et à son Saint-Esprit, et qui font naître dans le cœur le remerciement à Dieu le Père, la louange, ou au moins l'émerveillement à la question
Pourquoi cette personne se comporte de cette façon, c'est-à-dire l'inquiétude du monde face au témoignage de l'Évangile? Mais afin que ce bouleversement, cette secousse se réalise, advienne, il faut que le sel ne perde pas de sa saveur et que la lumière ne se cache pas. Jésus le dit très clairement. Si le sel devient fade, eh bien ce sel ne sert plus à rien. Gare au sel qui devient fade. Gare à une église qui serait fade. Guerre à un prêtre, à un consacré, à une congrégation qui deviendrait fade, sans saveur. Aujourd'hui, nous rendons gloire au Père pour l'œuvre que Saint Dominique, comblé de la lumière du sel du Christ, a réalisée il y a 800 ans. Une œuvre au service de l'Évangile, prêchée par la parole et sa vie. Une œuvre qui, avec la grâce du Saint-Esprit, a fait en sorte que beaucoup d'hommes et de femmes soient été habitué à ne pas se disperser au milieu de carnaval de la curiosité mondaine, mais qui ait senti le goût de la bonne doctrine, le goût de l'Évangile, et qui soit devenu à leur tour lumière et sel, des artisans de bonnes œuvres. Et véritables frères et sœurs qui glorifient Dieu et qui enseignent à glorifier Dieu avec les bonnes œuvres de la vie.